Yo les frères, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo revue de Dragon Ball Super. Et cette fois, c'est pour l'épisode 129, les Rey. L'épisode qui est ouf, qui est grandiose, qui est magnifique, qui est majestueux, qui est kiffant, qui est une raison pourquoi on kiffe Dragon Ball Super. Pourquoi il y a beaucoup de personnes qui disent: oui, Dragon Ball Super, ça n'a pas existé. Oui, c'est pas bien, Dragon Ball Super. Non, non, désolé les frères. Ok. Je me fais chier sur pas mal d'épisodes de Dragon Ball Super. Il y a plein de trucs qui sont chiants, qui sont longs, qui pourraient être mieux faits, etc. Mais c'est à cause des épisodes comme ça qu'il faut que Dragon Ball Super existe. Désolé, Goku, Vegeta, toute la clique de l'époque quand on était jeune, genre. Enfin, pour ceux qui ont regardé ça quand ils étaient jeunes. Et même pour ceux de maintenant, genre qui ont regardé Dragon Ball Z avant Dragon Ball Super. Les revoir maintenant, faire des combats aussi épiques que ça, désolé, on a tous envie d'avoir ça. Personne, mais personne qui aime Dragon Ball, désolé, regarderait cet épisode et serait genre: ah non, mais je préférais que cet épisode disparaît de ma tête, j'aime pas trop, c'est pas trop mon délire, c'est pas trop ça, quoi. C'est pas. Non, non, c'est. Non. Mais non, honnêtement, le combat était kiffant. Bon, l'épisode n'était pas parfait, mais le combat était putain de kiffant, les frères. Bon, le problème avec l'épisode, faut en parler vite fait, je dirais. Le fait qu'ils perdent trop de temps, on dirait un truc à la One Piece où tu vois, il y a 5-6 minutes, ils font ils font le résumé de l'épisode précédent, et du coup, bah, on est là, on voit que Vegeta se tapait, que Vegeta s'est fait éjecter, que Goku va se transformer, que Goku va taper Jiren, tout le délire. Honnêtement, c'était pas obligé, mais ils font ça en ce moment tout le temps, et toutes les séries un peu longues font ça. Du coup, bon, on va pas non plus faire les mecs non, j'ai pas. Non. On va arrêter de faire les fines bouches pour 2 secondes. Bon, on sait tous que la deuxième moitié de l'épisode était beaucoup beaucoup plus stylée que la première moitié. Honnêtement, dans la première moitié, si j'ai quelque chose à noter qui était stylé dans l'épisode, c'est le petit monologue de Vegeta, même si bon, c'est le monologue habituel. Désolé, j'ai deviné le monologue en regardant l'épisode en japonais, car oui, je l'ai regardé en japonais 2 fois. Puis on s'est dit très anglais, puis on s'est dit très français. Donc ça fait 4 visionnages. Et je kiffe toujours, hein. C'est ouf. On était où? Oui, Vegeta il fait un petit monologue par rapport au Saiyan qui change tout le temps, que durant le combat, même si le combat de l'arc du le tournoi, genre, durant le tournoi ils se sont tous transformés, ils se sont tous dépassés. Quelque part c'est logique, oui c'est bien qu'on connaît que les Saiyans se dépassent tout le temps, mais d'un autre côté le fait que ça prend 10-15 minutes pour que tout le monde se surpasse, c'est un peu con. Mais bon, c'était quand même assez kiffant, c'était pas mal, c'était un petit truc en plus, on va dire, c'est quoi ça? Je sais pas, je sais plus parler, c'est pas important. Sinon, on disait quoi? Du coup, t'as le Vegeta qui parle, mais moi, honnêtement, le Vegeta, le seul truc qui me fait chier, c'est que vous allez le voir et vous avez regardé l'épisode, j'imagine, en tout cas, j'espère, sinon, désolé pour les spoils. Mais Goku, là, il vient d'atteindre une force, mais qui n'a rien, mais rien à voir avec le Goku Ultra Instinct de base, avec le Super Saiyan Blue. Il est vraiment un truc au-dessus, mais de ouf. Et à côté, tu vois Vegeta qui a eu une nouvelle transformation. Bon, il a battu Topo, je suis d'accord. Mais contre Jiren, il se foutait de sa gueule. Et là, Jiren, il est là en mode: c'est quoi ça? Arrêtez! Tu vois, donc honnêtement, tu vois que Vegeta, il est largement, mais largement au-dessous de Goku. Et je trouve que ça se fait pas. Car Vegeta, il se fatigue, il travaille, il met du sien, etc. Quand il balance toute sa force, il fait un final flash de ouf. Bah, désolé, mais Jiren est genre: j'en ai rien à foutre. Alors que là, Jiren, il ferme sa gueule, hein, il dit pas: j'en ai rien à foutre. Hein. Car là, qu'on peut parler des trucs qu'ils font, les frères. D'ailleurs, vous avez vu ça dans l'épisode. Il y a tous les Hakai-Shin qui se lèvent à un moment quand ils voient Goku qui est en train de prendre plein les coups de Jiren, mais qui est en mode, il défend tout, et il est en train de rebalancer des coups. Honnêtement, c'était kiffant quand on a su que les petits trucs là, c'était vraiment des coups entre Jiren et Goku. Et après, il y a le moment où Goku allait se transformer et que dit à tout le monde: fermez vos gueules. C'est comme limite, genre j'ai vu un tweet sur Twitter, un tweet sur Twitter, oui. Des personnes dire: hey, tout le monde qui dit Dragon Ball Super devrait pas exister. Il y a cet épisode, et après tu vois Beerus qui dit: fermez-la et regardez. Honnêtement, quand il a dit ça, c'était archi kiffant. Même Beerus, là, tu vois, vraiment tout le monde reconnaît la force de Goku. Et quand Goku il se transforme, la musique qui vient, la mise en scène, le grand coup de Jiren, Goku qui prend le coup de Jiren et qui est là en mode: il n'y en a rien à foutre, et qu'il défonce. Désolé, mais là, vers la fin de l'épisode, quand il se transforme, t'as Goku qui est en train de rétamer Jiren. Je sais pas comment Jiren, on voit dans la prévue, il devient torse nu et il se tape. Je sais pas comment faire, peut-être qu'il est encore. Il a pas montré encore toute sa force, mais là, désolé, le mec, il se faisait rétamer par Goku White. Goku Blanco, oui. Goku Silver, Goku Ultra Instinct maîtrisé.
avec des foudres violettes, je crois, violet foncé, un truc du genre. Mais honnêtement, la transformation était super stylée, avec la musique qui est arrivée, la chorégraphie de combat, même s'il y a eu pas mal de moments qui étaient pris de l'opening, on va dire, des moments de combat qui sont repris de l'opening, et même des petites explosions qui sont un peu pitoyables, les petites explosions là, orange là. Merci Ayoub de m'avoir rendu fine bouche, sale fils de flûte, tu te reconnaîtras si t'as regardé la vidéo. Sinon, hors ça, qu'est-ce qu'il y a? Hors ça, t'as le fait qu'on a un certain mec qui est absent, ça fait 3-4 épisodes, et il s'appelle Freezer. Freezer, le mec, la dernière fois on l'a vu, il était genre dans une colline au sol, en mode, je regarde. Depuis, on le voit pas. J'espère qu'il va faire une apparition dans l'épisode 130, ça serait logique, vu que l'épisode 131, normalement, c'est le dernier épisode, c'est l'épilogue, en mode, ouais, c'est la fin, à plus, etc. Et du coup, normalement, Freezer va apparaître dans l'épisode prochain. Qu'est-ce qu'il va faire? Je sais pas, peut-être que Goku va battre Jiren, après il aura plus de force. Et Freezer va l'éjecter, peut-être que Goku va être en train de perdre contre Jiren, mais je le vois pas. Et du coup Freezer va l'aider contre Jiren. Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être que Goku va défoncer Jiren, il va avoir l'air fatigué. Freezer va essayer de le taper et après il va le défoncer, je sais pas. Et moi honnêtement, je voudrais bien que ça soit comme ça. Goku finisse Jiren, après il soit affaibli et du coup Freezer l'éjecte. Je voudrais bien une fin comme ça, même si je le vois pas arriver. Je voudrais bien que ça soit ça, c'est le plus intéressant je dirais. Et maintenant on va arriver à ma petite théorie. Qui dit que, d'ailleurs ça sera le titre de la vidéo normalement, que Goku pour moi, hein, et logiquement il a enfin dépassé Beerus avec cette transformation. Déjà tu vois bien que tous les Hakushin se sont levés. Il y a Beerus qui reconnaît sa force, ça se voit à son sourire, à sa façon de parler, à sa façon de parler à Whis, tu vois, qu'il reconnaît la force de Goku. Et désolé genre, à la fin du film Battle of Gods, on avait, je me rappelle plus du chiffre exact, mais je crois que Beerus il a dit que le Super Saiyan rouge de Goku était à 60-65% de la force de Beerus. Enfin en tout cas niveau baston genre. Après on a eu Super Saiyan Blue, après on a eu Jubai, oui d'accord, et après on a eu l'Ultra Instinct Normal. Et là on voit bien contre l'Ultra Instinct Normal, que même genre Beerus galère à maîtriser l'Ultra Instinct, tu vois. La maîtrise de l'Ultra Instinct c'est un niveau totalement différent que l'Ultra Instinct Normal. Et désolé, t'as Vegeta qui a battu un Hakaishin en entraînement, ok, mais topo. Et Vegeta, il se fait rétamer par Jiren. Goku est en train de rétamer Jiren. Du coup, désolé pour moi, honnêtement, même sauf s'ils se font, ils font vraiment les fils de flûte, comme on dit. Normalement, hein, Goku Ultra Instinct Blanc là, il est plus fort que Beerus. Je crois pas qu'on va voir une baston entre eux. Car c'est dommage, mais dans deux épisodes, Dragon Ball Super se finit. J'espère qu'il y aura une autre série, car honnêtement, juste pour des épisodes comme ça, je veux pas que Dragon Ball se finisse. Donnez-moi 80 épisodes merdiques. Si vous me donnez un épisode kiffant comme celui-là, remettez Dragon Ball tout le temps, toute votre vie, jusqu'à que je meure. Mais honnêtement, oui, je crois vraiment que Goku, maintenant, il a dépassé Beerus. Bon, il n'y aura pas de combat, comme j'ai dit, mais peut-être que Beerus va l'en connaître en mode, ouais, t'es enfin à mon niveau, ou t'es aussi fort que moi, ou genre, tu maîtrises Ultra Instinct et moi pas, ou un truc du genre, tu vois. À voir. Honnêtement, j'ai la hype de ouf pour l'épisode prochain. Je sais pas comment ça va se finir, car il y a Freezer dans... En vrai, il n'y aurait pas Freezer, je dirais, ouais, bah Goku va battre Jiren, on n'en parle plus. Mais là, il y a Freezer dans l'eau, dans le mix, donc je sais pas, sauf s'ils l'ont oublié eux-mêmes, mais je crois pas. Du coup, il y a Freezer dans le mix, je sais pas ce qui va se passer exactement. N'hésitez pas à me dire, vous, que ce que vous pensez qu'il pourrait se passer et comment vous pensez que la baston ou le tournoi va se finir. Je réponds à tous les commentaires, n'oubliez jamais ça. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous les frères. Lâchez un petit like et un maximum de partage, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo, au prochain live et tchuss les frères. Et tchuss les frères. Mais attendez une seconde maintenant qu'ils pensent. Ok, Goku White, Blanco, tout ce que vous voulez, il est super stylé, il est super fort, il a les cheveux blonds. C'est une transformation, mais les frères, techniquement, c'est pas une transformation Saiyan. L'Ultra Instinct Beerus peut l'atteindre, vu qu'ils disent que même les Hakaishin galèrent à l'atteindre. Du coup, c'est pas une transformation propre au Saiyan. Ce qui veut dire que tout le monde peut atteindre l'Ultra Instinct. Tout le monde. Piccolo Blanco, Krillin Blanco, Yamcha Blanco, Tenshin Han Blanco, et on a de ces cartes d'aucun battle maintenant. Eh hey, Dragon Ball Super, écoutez-moi maintenant. Tout le monde peut avoir l'Ultra Instinct, vous l'avez installé, maintenant on s'entraîne. Tout le monde, machine du temps, chambre du temps, truc, on s'entraîne, on se fait des muscles et on devient tous Blanco. Blanco, Ultra Instinct, truc. Vu que c'est pas pour les scènes, non, c'est vrai. Vous dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ceux qui sont toujours là. Mais je suis quasiment sûr que c'est vrai. Hein. Car oui, c'est Beerus, il a essayé d'éteindre, Beerus n'est pas Super Saiyan. Goku à la base c'était une transformation, même si là ça a changé de couleur, à la base c'est une transformation de base, Ultra Instinct. C'est pas une transformation, genre c'est un état d'esprit, on va dire. Du coup, moi j'attends Krillin, Ultra Instinct, White, Blanco et Lair. Oui,
ZLR quand même. Allez, ciao. On va arrêter de dire de la merde. Mais c'est pas de la merde, hein. C'est vrai, ça peut arriver. Blanco.